eine total schöne Arbeit geleistet hat. Man sieht ja hier, die Organisation hat er komplett übernommen. Und ich muss sagen, großes, großes Dankeschön. Ich glaube, das ist auch mal ein Applaus wert. Einigen anderen Leuten möchte ich danken, unter anderem der Herr Jonen von Evontronic, der auch spontan zugesagt hat. Er freute sich, nach Alpen zu kommen. Er wird auch bei der Weltmeisterschaft die Übertragung bei zwei Spielen hier machen und dann anschließend wird alle Spiele ab das Viertelfinale werden von ihm übertragen werden. Dankeschön auch. Ich passe la feuille, c'est quand même un peu curieux. Non? Oui, c'est curieux. Bon, mais c'est vrai que je crois qu'ils sont toujours un petit peu en travers de la gorge le fait qu'il est signé à Genk. Maintenant, à partir du moment où Garçon disait qu'il allait s'impliquer jusqu'au bout, ça, c'est une décision qui peut paraître un peu bizarre. Oui, alors, comment est-ce qu'il faut s'y prendre d'un côté comme de l'autre? Est-ce que Ben doit essayer de marquer des buts très très rapidement? Ou est-ce que là, vous l'avez dit, bon, avec un point et des champions, il doit attendre ou essayer d'assommer son adversaire? Qu'est-ce que vous faites? Moi, je dirais que Westerlo a surtout l'habitude de ce genre de rencontres où ils doivent la gérer avec beaucoup de patience. Ils sont à domicile, c'est quand même un avantage également. Ils ont un point de plus, c'est un avantage supplémentaire. Et surtout, ils excellent sur les phases arrêtées et les phases de contre-attaque. Donc, à partir de là, je dis que si la rencontre est bien gérée de leur part, en principe, ils partent avec un avantage certain. Et ils ont un entraîneur hein, qui va les aider à bien gérer. Je l'ai oublié. Oui, voilà, c'est l'entraîneur. Il est habitué à faire monter des clubs de D2 vers D1, à Mons, Charleroi, Rouen, Sorbonne, et peut-être... J'ai l'impression qu'il a donné un vilain coup de coude, un coup de coude, tout simplement. Alors qu'il n'avait pas le ballon. Non, hein, et puis ça se passe sur une phase complètement anodine, une rentrée en touche, quel danger y avait-il? Ben voilà, on joue depuis 4 minutes, et carte rouge pour Rafa Lecomte, le français. Ah, ça, c'est évidemment une donnée dont il va falloir tenir compte. Hein. Hey, 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 hey. Out. Ça, c'est obligé de faire un changement. Ça, c'est plus cousin qui a joué. Tandis que du côté de Westerlo, c'était pas le cas. Ouais. Et donc, donc, il a peut-être un mauvais réflexe, mais il a dû de conséquences. Parce que, comme on le dit, cette carte rouge est beaucoup plus négative pour Open que pour Westerlo. Double avantage pour Westerlo. Alors qu'on a 10 contre 10, alors qu'on revoit la faute. Et il va y avoir la pénalité à monter maintenant. Hein. Ouais, il accroche vraiment du bras là. Contre l'île de Malin. Je pense que c'est Kofi qui va frapper le pénalty. Disons-le tout de suite, hein. Si Kofi transforme ce pénalty, ça va être compliqué pour Open. Hein. Évidemment, bien sûr, on voit aussi quel changement de procédé du côté d'Open. Ouais. Quel début de match, c'est son quart qui sort. Hein. Voilà, là aussi ça doit faire mal pour un joueur qui n'a rien à se reprocher, un petit quart d'heure et puis hop, on rentre au vestiaire. Sacrifié sur l'hôtel tactique. Ouais. Et voilà Kofi qui va avoir l'occasion de mettre peut-être son 7e but cette saison pour Westerlo. C'est pas beaucoup tout simplement parce qu'il est arrivé en cours de saison, il avait déjà marqué 13 avec Boussoudour. Et vous allez le voir, c'est quelqu'un qui en général est très à l'aise quand il frappe. Et puis arrêter à fortiori un penalty. Mais si le gardien avant Kronbrugge parvenait à arrêter ce penalty, ben je pense que la confiance il l'aura pour tout le match. Hein. Tout à fait. Et beaucoup de si, mais on va voir. Hein. Et on en reparlera avec la nervosité quand même des joueurs avant un match. Alors, le duel va Kronbrugge, Kofi. Kofi va Kronbrugge, Kofi. Qui c'est là? Je veux dire, il a presque senti qu'il allait manquer ce penalty Kofi. Ouais. Eh bien, qu'est-ce que ça dit, hein? C'est incroyable. Ouais. Voilà, un parfait trieur, comme on dit, incroyable. Et tout ça, Hendrik. Content de pouvoir vous faire vivre ce match. C'est très agréable, effectivement. Anaïs vers Kofi. Kofi, il passe, elle n'est pas sortie. Non. Kofi, le centré, on va faire le pénalty. Il attrape son juge de ligne. Peut-être. Ah ouais, le siffle d'or, on va voir. Mais c'est vraiment. On va voir ça. Ouais, reste en or. Ou sur la ligne? Ah, ça,
à cet endroit-là, ça peut croire. Là, je dirais peut-être même dedans. Regardez, mais c'est difficile ici. Hein. Parce que ce qui marche pas, c'est difficile. C'est un avec son pied droit en revenant qui approche. Mais si, c'est sur la ligne, c'est un avis. Oui, parce que je crois que la ligne fait partie du. Ouais. Pour moi, il y a un penalty à l'autre. Je pense que c'est. Ouais, il aurait fallu le loup. C'est impossible, c'est moi aussi d'avoir. Allez, Molenbeeks. Molenbeeks. Alors, on peut attendre. Et le centre est bien donné la tête. Il est trop qui est sifflé sur Colomès. Il va faire son entrée au jeu et qui va reprendre la place et le rôle de Hameis. Hameis impliqué dans le milieu, a donné fort justement pour le jeu et sur la face il y a un pénalty. Ouais. Voilà. À la Lucas. 6 minutes de jeu. Lucas, Colomès, bon. Déjà deux exclusions, déjà un pénalty et un joueur clé qui s'en va. C'est énorme. En premier, vrai but maintenant. Peut-être ici. Non. Ochoa. Ochoa est toujours là aussi. Alors, Scott Ardern, on cherchait la tête de Rodri. On le retrouve, Rodri. C'était pas mal fait. Ouais, c'était pas mal, effectivement. C'est tout bien, hein, ce genre de ballon. Scott Ardern, deuxième poteau. Rodri, la tête et... Il a failli toucher le ballon pour le Messin. Un renard de surface. Et la Langue donc très présent. Regardez, on revoit la fin. On revient en ce match avec maintenant ce coup de pied arrêté. Deviné par qui, Scott Ardern, bien sûr. C'est pour Lucien. Toujours temps. C'est de la technique aussi. Rodri et Scott Ardern. Rodri qui s'élance, qui frappe. Et non, cette fois c'est pas bien. Le public est là aussi, il joue son rôle. Ouais, ouais, si on ne profite pas des jours comme aujourd'hui, on ne profite jamais alors. Hein. Et rappelons que Westerlo termine un bail alors qu'il y a 4 ans. Déjà une déception, hein. Ça suffisant, je suis pas sûr.